Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Azertiros pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Shunhorn, l'épisode 3. J'ai eu un petit bug au début du tournage de celui-ci, hein, voilà, tout simplement, tout doucement, un petit bug où ça me semblait être un bug de son, et après plusieurs réglages, je me suis dit, j'arrive pas à trouver le bon réglage, du coup, j'ai pas le début de la cinématique avec le vieux, mais en gros, voilà, on a retrouvé le vieux. Il m'a donné quelque chose, c'est-à-dire ce canon flambant neuf, voilà. Et puis voilà quoi, il va falloir créer des sorts avec. Il y avait une cinématique, mais en gros, ça a bugué. Donc on ne l'aura pas, mais il n'y avait rien d'important, rien de très intéressant. Il m'expliquait juste un petit peu de lore, un petit peu d'histoire. Voilà quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que le son du vieux me paraissait bizarre, et en fait, quand j'enregistre, il me paraît bizarre. Quand j'enregistre pas et que je joue sans enregistrer, il me paraît normal. Mais j'arrive pas à savoir en vidéo s'il paraîtra bizarre ou pas. Voilà, donc je sais pas d'où ça vient, j'en sais rien. Tu obtiens l'ancien canon sorcier, mais c'est pas très grave. L'ancien canon sorcier de Maître Maillefer, il était dans la boîte que tu as trouvée sur l'île des Réprouvés. C'est une arme de chevalier fabriquée autrefois par les mages de la Cité Blanche, et la dernière de son genre existant encore. Ok, et là, je peux ouvrir le coffre. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Une fiole de feu pour le canon sorcier. Elle contient 5 unités de sort au max. Récupère les matériaux de feu pour la remplir. D'accord. D'accord, d'accord. Charger sort de feu. Ok. Prenez un raccourci pour retourner à la maison. Ouais, alors, il va falloir que j'apprenne à me servir de ce pistolet. Ah, voilà, ok. Donc là, j'ai fait un gros sort de feu, sa mère. Ok. Et là, je peux changer avec... avec le... Non, pas sort de soin. Non, non, non. Je teste les touches. Hein. Avec les munitions, tout simplement. Est-ce que c'est le même canon? Oui, c'est le même canon. Vous savez, on avait quoi tout à l'heure? On avait quand même un pistolet, non? Je sais plus. Écoutez, je ne sais plus. Bon, là, le son paraît bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous semble chelou ou pas. J'avoue que je ne sais pas. Je me suis pris la tête pendant 20 minutes pour tenter de régler le problème. Mais je ne sais pas si c'est un vrai problème. Donc, eh bien, on ira gentiment se faire foutre. Ah, le schiste bitumeux. C'est un nom que j'apprécie grandement. On va récupérer ici des tas de bonnes choses. Mais c'est vrai que mon micro, j'ai changé de micro il y a quelques mois et mon micro est très compliqué. Voilà. Tu peux faire plein de petits réglages comme une petite carte son et en même temps, il est très compliqué, très complexe. Que ça soit pour être en stream, que ça soit pour faire des vidéos... Moi qui aime bien les choses simples et qui aime pas me prendre la tête, et je peux te dire que c'est raté. Et au prix où il m'a coûté, eh bien, je ne vais pas en changer tout de suite, voilà. Oh putain, qu'est-ce qui nous branle, voilà. On va mettre un petit pot, car on aime les petits pots. Oh, un coffre. Ah, ça j'aime les coffres. De la poudre à canon, ça c'est stylé, ça c'est canon. C'est ce qu'on apprécie. On ouvre ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu as trouvé un éclat de puissance flot du tic fixé à une arme, un objet. Cette mystérieuse chaîne lui octroie une faible augmentation de charge. Oui, on va l'équiper. Éclat de puissance. Les éclats de puissance peuvent modifier la performance de votre équipement. Oui. Ajouter un éclat. Ajouter un éclat. Allez, j'ajoute un éclat. Voilà. Et là, j'ai une charge. J'ai une charge en plus. Je pourrais pas vous dire à quoi ça sert, mais je peux vous dire qu'au moins on l'a fait, et ça c'est stylé. Il me suit le vieux con. Ah oui, il est derrière. Il y a le robot, il y a le vieux con. Renforce ton arme ou ton sort. Ok, ça me va, ça me va. On récupère des tas de choses formidables. Graines inflammables, très bien. Ah, il faudrait que j'ouvre cette porte. Y a-t-il un levier? Y a-t-il un levier? Non. Ah, y a ça. Ah, il faut que je tire avec mon flingue, c'est ça? Ok. Oh, le génie! Oh, le génie! Azertiros, le génie. Bon, ok, c'est du niveau 6e B. Mais, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, quand même. Dans l'ensemble, c'est pas dégueu, quoi! Il me suit, Jean? Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, on descend! Ok. Toujours se réceptionner avec une roulade, sinon on se casse les jambes. Et si on se casse les jambes, et ma foi, c'est terrible. Oh, c'est beau! C'est très très beau.
Ah, on peut faire la mission Senir Crimson, ok. Ils sautent les deux cons? On va dire que oui. Ok, ils sautent l'autre aussi? Ouais, je crois qu'ils sautent. Ah ouais, c'est ça, c'est quand je... Oh, je l'ai vu sur la carte! Vous avez vu? Quand je l'ai regardé, ils ne le faisaient pas. Et ensuite, quand j'ai détourné le regard, ils l'ont fait en mode, on veut pas animer ça. Mais je comprends, c'est un jeu indé. C'est malin, c'est malin, c'est malin. Et en fait, oui, il me paraît parler bizarrement, et je sais pas si en vidéo ça fait bizarre, mais c'est parce que, bah, pour sa voix, il y a un bug de son, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que dans les cinématiques. Bon, je sais pas, écoutez, je sais pas, c'est pas très gênant. Mais quand je tourne pas, le son de sa voix ne paraît pas trop dégueu. Ah. Petit accident. Ils ont vraiment une tronche quand même. Ok. Ok. Bon, ça lui fait une voix un peu plus profonde, un peu plus sérieuse. Alors, la voix du Crimson. J'aimerais bien faire le truc de Crimson, moi. Comment je valide plutôt le Seigneur demande sa récompense à la cité. Allez, chasse Seigneur Crimson. Tu vois les habitants aux uns chaque nuit le Seigneur Crimson. Ah ouais, faut vraiment que ça soit la nuit. Mais pour l'instant, je ne sais pas passer la nuit. Hein. Alors, il disait il y a un chemin derrière chez moi. Est-ce qu'il parle de celui-là? Ah, on va dire que oui, on va dire que oui. Est-ce que là il faut que je fasse le sort? Oui! Enfin, je pense. C'est bien fait, ça, c'est stylé, ça. Le jeu a du style, hein, quoi qu'on dise. Et c'est clairement, hein. Ouais, je l'ai déjà fait. Lui, il a l'air d'avoir une voix normale, je sais pas trop. Vous me direz. Mais ouais, c'est ce que j'ai mis dans l'épisode 1. J'ai déjà publié l'épisode 1 dans le titre. C'est clairement un hommage appuyé. C'est clairement un hommage à... Oh putain! C'est clairement un hommage à Wind Waker et c'est ça qu'on apprécie. Regardez, ça a du... Ça a du charisme, quoi, ce qu'on voit. Ça semble assez vide, mais ça a quand même un petit charisme. Vas-y, je veux bien que tu montes, par contre. Voilà! Merci beaucoup. Ça a un bon petit charisme. Benzema. Alors, vers le bosquet du gardien. Ah, parfait, ça. Ok! Est-ce que c'est par là? Je ne sais pas. Là, il y a une tour. La tour des mille et un plaisirs interdits. Et là, ça sert à quoi? Est-ce que c'est en mode Far Cry ou Zelda tire les nouveaux Zelda? Non, je ne sais pas. Ça permet d'avoir un paysage. Est-ce que ça permet de débloquer la map? Peut-être, ça peut-être. La lâche. Mais là, le son, il me semble tout à fait bien. Désolé, je suis assez stressé, mais moi, je suis un maniaque de la qualité. Notamment de la qualité sonore. Et donc, au moindre bug, au moindre truc qui va pas, je me prends la tête comme jamais. Oh putain! Ok, c'est bon. Elle est stylée cette araignée. On l'a bien défoncée. Mais ouais, je suis un peu un maniaque. Alors, maniaque du contrôle. Ok, ça va, ça va. Oh, des champignons! Ouais, on trouve des munitions sous les champignons, ça me semble plus ou moins pas logique, mais tout va bien. Allez, on descend! Ouh, oh, le coup furtif! Oh, le génie! Oh, le génie! Ok, je suis beaucoup trop fort. Je suis bien trop fort. Oh, putain! Ok. Voilà, le coup critique, la caméra qui suit pas. Ok, tout va bien. On récupère de l'XP, on récupère des tas de bonnes choses. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, l'on va fouiller. On va chercher. On va récupérer les piécettes. Oh, il y a un coffre-fort là-haut. Oh putain, on va aller chercher ce coffre-fort. Croix de bras, croix de fer. Si je mens, je fais le tapin. Ok. Elle a l'air en mauvaise posture. Ouais, mais les trésors avant tout, désolé ma vieille. Ah, un éclat de puissance! Oh, parfait, bah oui!
Ajouter un éclat en puissance. Voilà. Ok. J'ai ajouté des choses. J'ai ajouté des tas de choses. Voilà, voilà. Là, on est fort. Là, là on est doué. Merde, plus de munitions. Voilà, merci. Ah, il aurait pu crever, manifestement. Est-ce qu'elle va me parler? Vous avez trouvé un pack booster tarot. La méca araignée. Ok. Salut ma belle. Ah oui, elle aussi. Aïe. Ça dégage. Ça dégage. J'ai trouvé Scarabrabrabrabrabra. Salut ma belle. Hey, why did you interfere? I was having a nice streak. En tant que chevalier, je dois aider, c'est dans le besoin. You haven't seen a lot of action, have you? I am Trin. From mechanical assault and ok. J'arrive pas à croire que ce bois de conserve fait ça à ma petite peau parouline. Hey, Village, right? Ok. Suis-moi. Okay. Je connais la route. Ouais, en fait, les voix me paraissent bizarres, mais je crois que c'est un bug sonore. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, tout va mal, mais c'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Ok. Donc, ça, ça va mal. Ça, ça va mal. Son vaisseau va mal. Derrière, il y a l'air d'avoir. Ouais, 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 ferme-la, ferme-la. Comme le cerf là, moi je vais. Oh putain! Oh, oh putain, stylé. Merde, vas-y, recharge. Voilà. Lui. Eux, ils sont chauds à voir, mais c'est bueno. C'est bueno, l'astico. J'ai vu une pierre de sang. Au trou d'Arcadie. Elle était où? Elle était par là, non? Elle était par là, je crois. Oui, elle est là. Je sais pas si c'est un intérêt. De toute façon, c'est pas un let's play, donc... aïe. Attention. Attention, bonhomme. C'est pas un let's play, donc on s'en fout un peu. Mais moi, je vois un trésor. Il faut que je le récupère. Voilà. On leur a explosé l'anus, tous les deux. On peut retourner. Vas-y. On retourne. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle envoie son épée. Bien attention à toi, ma petite fille. Ok, bon, elle nous suivra. Soit elle reste là à jouer à la conne, soit elle me suit. Allez, on y va. On va retourner. Elle me suit ou pas? Ouais, je crois qu'elle a décidé de... T'es où? Bon, je sais pas où elle est. Mais elle est où? Elle est où, cette imbécile heureuse, là? Ah mais elle est encore en bas là, elle joue au con. Elle joue au con. Défi terminé, tu n'es pas seul. Ok, tant mieux. Est-ce qu'elle va arrêter d'affronter tout ce qui bouge et me suivre? Oh non, mais c'est une guerrière. Mais non, fais pas fausse route, c'est toi qui veux te battre avec eux. C'est pas de ma faute si t'es à vide de sang, ma fille. Bah oui, on continue. Je demande que ça. Est-ce qu'on récupère ça? Non, on s'en fout. Allez, si, on le récupère. On le récupère. Ça peut se vendre 3 milliards de pièces, là. Voilà. Voilà, on récupère. Pierre de sang, 5 sur 52. C'est pas mal. Allez, allez, vas-y. On rentre à la bazounette. C'est par où? Je sais pas. Hey, is that a real caster gun? Those things are extremely rare. Ouais, bah on s'en fout. Tu feras... Te retourne pas, te retourne pas. Ok. On était poursuivi par une sorte de monstre communiste. On est encore dans l'intro. Ça, c'est des méchants où je ne m'y connais pas. Ah oui, d'accord, ils ont pris possession du village, de la ville. Oh non, ils doivent me suivre ici. Mais il n'y a personne ici. Peut-être que les gens ont vu les gens venir et se cacher. Est-ce qu'il y a un endroit où ils pourraient se cacher? Il y a une cachette près du phare. La maison de Maître Maillefer. Ils ont cherché toutes les maisons. Ils doivent être quelque part d'autre. Conduitrine auprès du Maître Maillefer. Près du phare! Ok. Tu veux pas passer? Tu veux pas passer? Faut que je descende, c'est ça?
On doit la carte. Elle est où la carte? Elle est dans l'équipement. Ça me semble pas logique. Ok, on est là. Faut tout contourner. Ouais, peut-être. Peut-être, hein. Okay, let's find Master Mayfair. We should keep out of sight as much as possible. Ah oui, ça, je veux bien te croire qu'ils sont pas amicaux. Ouais, vu la tronche, en général, quand ils ressemblent à des soldats nazis BDSM. If the situation gets ugly, we should fight together. Don't hesitate to call on me if you need help. Hey, is that a bomb hut? Pas s'accroupir. Keep that burning iron away from me. J'aimerais bien m'accroupir. Just make sure they don't see you. I am a master of sneaking. I'm basically invisible to them. Seriously. On est caché là? On n'a pas l'air d'être très caché, hein. C'est pas grave, on va se battre. Esquive. Ok. Esquive. Aïe. Esquive. Esquive. Ils ont l'air puissants, hein. Ok, ça va, ça se passe pas trop mal. Même si je pense pas qu'on va je suis pas sûr que ce soit la bonne option d'affronter tout le monde. Oh, le distributeur. Des kits d'urgence, des ceintures de munitions. Cette merde, allez, j'achète cette merde. Fixe à une arme, il se donne une faible augmentation de dégâts. Allez, on l'équipe. Ouais, le sort de feu, ouais. Allez, voilà, c'est joli ça. Ok, est-ce qu'on s'infiltre? Je sais pas si on s'infiltre. Le jeu a pas l'air d'être très infiltration man. Peut-être qu'il y a une touche. Oh là là là, j'avais jamais fait cette grosse attaque. Ok. Oh, du soin. Prends ton pistolet au cas où. Ah oui, c'est une méga attaque, d'accord. Ok. Ok, ça, tu peux les retenir pendant que je fais ma méga attaque. Fais ta méga attaque. Ah, ça marche bien. Ok. Aïe. Bon, voilà, ça faut, des fois, faut rentrer dans le mille, faut rentrer dans le tas. Et ça marche pas trop mal. Allez, dans l'anus. By the anus, it's not bonus. Par l'anus, ce n'est pas du bonus. Ah, moi aussi. Attaque! Ah, on l'a tué. Ouais, mais ils sont assez mauvais quand même. Enfin, ils sont forts, mais pour des envahisseurs, ils sont pas... J'ai connu mieux. J'ai connu mieux pour des envahisseurs. Ok, bon, ça c'est fait. Il faut qu'on aille vers... Ah, appelez la police. Ok. Ça, c'est réglé. Ah, il y a un rayon tracteur là. Ok. Il y a l'air d'avoir un putain de rayon de la mort qui va me désintégrer l'oignon. Ah, ou alors il me repère juste. Aïe, ouf. Ok, utilise du soin. Oui, veux-tu utiliser? Oui, un sort de guérison. Voilà, parfait. Et bah, c'est très bien ça. On peut pas passer par là. On peut peut-être aller par là. Oh là, lui il est mort parce que c'est ce qu'on appelle une merde. Voilà, lui aussi. Bon, ça se règle facilement. Oh, il y a un trésor là-bas. Salut les gars. Oh, le bordel. Ok. Est-ce qu'ils sont planqués dans la grotte? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être ça. Bon, on s'en est sorti tant bien que mal.
Et quand je dis tant bien que mal, c'est plutôt mal que bien, mais ça va. Salut les gros potes. Personne d'autre ici sans autorisation. Ok, et toi? Nous gardons la sortie. Ok, on s'en branle. Enfin, c'est pas terrible pour des gardes, ils sont quand même pas armés, ils ont quand même des tronches de pêcheurs, mais bon, tout va bien. Et qu'est-ce que je souhaite acheter? Rien, ça coûte beaucoup trop cher, je pensais être riche, mais en fait, non. Salut mon vieux! La petite fille du grand régent Archimède, le dirigeant d'Arcadie. Ouais, tout le monde va bien, tout le monde va bien. C'était pas la meilleure cachette quand même, votre grotte, hein. Petite espionne. I have never seen anything like this. The weapons and technology. Who could be behind this? Je sais pas moi. Bolloré. There is someone. But... I saw a whole army out there in the Outlands. Ok, en gros, c'est la guerre. On est dans Final Fantasy 2. Ok. L'ordre des chevaliers de la Cité Blanche. Oh, il va m'envoyer en délégation, en mission. Un bateau. Un plan, ok. Une aéromoto. On peut monter à deux dessus. On prend l'aéromoto. Et on... Ok, j'ai tout compris. Parfait. La clé du vieil entrepôt, ok. Au cas où, s'il y a un bug sonore, je préfère éviter de parler aux gens. Enfin, de parler aux gens où il y a une voix. Les icebergs font de Gaïa, ça... Ok, on s'en fout, on s'en fout. Eux, on s'en fiche. Tarot ? Je te mets un tarot ? Ouais, ouais, je te défie au tarot. Hein. Alors, je vais prendre... Ouais, lui, il est bon. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Et ça, c'est bon. Allez, hop. Une fois de plus, on a bourré l'attaque, mais c'est pas grave. Ah, c'est ce fiefé coquin qui commence. Il va jouer la plus grosse. Classique. Très classique. Pour ça, il faudrait que je lui fasse... Ouais, ouais, là, je peux rien lui faire. Je peux rien lui faire, mais lui non plus. 7, personne va pouvoir me baiser, hein. Quoi? Il m'a baisé! Mais j'avais 7! Rien compris, ok. Bon, bah là, je l'ai baisé. En fait, j'ai pas tout compris dans le jeu, je crois. Et pourquoi il me baise, là? Ah, là, il a défendu. Je pourrais pas dire que je comprends tout, mais là, il va largement gagner, hein, je vous le dis. Ah non! Bon, bah là, il a gagné, il a gagné, il m'a baisé largement. Et le pire, c'est que j'ai rien compris. Ouais, 7 à 2. Ouais, 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 je me suis fait défoncer l'oignon, là. Ouais, vas-y, je fais la revanche. Ok. Allez, c'est parti. C'est quoi les règles? Il faut que le frère, déjà, lorsque l'attaque automatiquement, si la valeur d'attaque de la carte offensive supérieure à la valeur de défense, celle-là sera vaincue et retournée. Les gars sont les partagés. Ah ouais, ok. Et certaines directions. Ok, une action. Ok. Ok, ok, à moi de jouer. D'accord, merci. Donc en gros. Ouais, s'il m'attaque avec 6 d'attaque, il va gagner. Mais c'est à peu près tout. Donc faut que je commence avec 3 de défense. 7 de défense là, personne peut me baiser. Ah oui, il y a des. Ah si! Si! Parce que ils ont des attaques spécifiques en mode. Il prend automatiquement la carte. D'accord, ok. Donc là, je le prends et du coup, je prends l'autre ensuite. Logiquement, je vais prendre le Spider-Bot. Ah, pitié, échoue! Ah merde! Et ok. Bah là, je suis déjà baisé, non? Ah là, je suis déjà baisé! En plus, l'attaque 5-5, là, l'épée est posée. Oh non, mais. Mais il triche l'enculé. Vas-y, gagne! Ah, il a tout bloqué! En même temps, c'est Galactos, c'est un boss. Ouais, bon, t'as gagné. Allez, tu m'as saoulé. Oh non! Ah merde, 3 à 5. Oh putain! Allez, on rejoue! On rejoue. Je veux gagner.
Elle, elle a une supra-attaque dans le côté. Et lui, il a une supra-attaque en haut. Je crois que c'est ça. En mode, je prends automatiquement la carte. Je crois, hein. Ah, mais elle a des cartes trop fortes. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle a pris mon cul pour une lampe, pour des... pour une banane. Est-ce que là, je la prends automatiquement? Oui. Ok, bien joué, Azertian. Ah, c'est trop bien, les cartes de direction. Et là, une chance sur deux. Ah, c'est bueno, ça. C'est bueno, l'estico, ça. Il a 6. J'ai pas d'attaque à 6, là. Là, faut mieux que je joue la défense, en vrai. Là, je vais pas le prendre. Logique. Ah, lui, il va me prendre automatiquement. Ah, il va me prendre automatiquement l'oignon. Ok. Ah, là, je peux tenter d'en obtenir deux. Non, d'en obtenir une. Ah, bien joué. Là, je la prends automatiquement. Et là, j'ai gagné! Ouais, ouais! Ok, bravo Azertian. Donne-moi ta carte. Moi c'est bien, je lui donne jamais de carte quand je perds et quand je gagne une carte. Choisissez votre carte. Guerrier branchien. Un écuyer. Oh, une carte guerrier branchien. Ah, j'aime bien le tarot, j'aime bien. On va pas tarder à s'arrêter pour la fin de cette découverte. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Je suis pas d'humeur à discuter. Ok. Non mais en vrai, est-ce que... En vrai, c'est sympa. Mais je pense qu'on va pas progresser dans l'histoire parce que ça prendrait trop de temps et nous on veut pas que ça dure trop de temps. Ah, je peux avoir plus de munitions, ça fait plaisir ça. J'ai le vieil entrepôt, on va y aller, on va aller voir ce qui s'y trame. Bon, et j'espère que si bug sonore il y a, j'espère que ça vous dérange pas trop. Alors, vieil entrepôt, OK, c'est tout là-bas. So you grew up here, right? A nice and comfortable place. Nothing much to keep a night busy, huh? Damn boltheads. They've sent out more patrols. A rifleman. No worries. Oui, aussi j'esquive les balles, j'esquive les trous de balles, j'esquive tout. Ouais. On n'a pas le temps. Ah, elle est en train de se battre, elle? Ah non! Allez. En fait, ah, c'est bon. Faudra que je lui dise, tiens, attaque là. Ok, ça va. On est pas mal là. Voilà. Ça s'est réglé. Et c'est derrière ce bordel à cul. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Elle a l'air de bien se défendre. Hein. Elle a l'air plutôt douée, la petite. Elle a l'air même très très douée. Oh, une arme! Clé. C'est quoi? Lance noire. Est-ce que c'est à lancer? Ah non. Ah, ça s'est cassé, ok. Alors, comment je passe? Oh, on a récupéré des bombes! Ça, c'est bien, ça. C'est que je vais avoir des murs fragiles et rochers. Ok, ça c'est très bien, parce que je pense qu'il y a un endroit où j'étais bloqué. Parce qu'il fallait, eh bien, tout simplement des bombes. C'est de la bombe, bébé, c'est de la bombe. Et du coup, on va y aller. C'était juste là. Je pense que ça marche avec la bombe. On va tester ça. Et si c'est pas ça, je donne ma langue au chat. Hop. Attention, ma belle. Et voilà, et comme ça on pénètre. Oh, le génie. Ok, on récupère ce coffre-fort. Un morceau. Ah, et du coup j'obtiens un cœur en plus. Ah bah non. Ah, j'ai pas récupéré le dernier que j'avais récupéré. Normalement là je suis censé avoir un cœur en plus, mais... Ça a dû mal sauvegarder. Enfin, ça a dû enregistrer d'une manière un peu caca-boudin. Pour ne pas se mentir. Voilà, ça dégage. Allez, hop. Ouais, the last but not the least. Le dernier du bas de la liste. Ok, on récupère ça. Assez stylé. Hey, are you sure you don't want me
Non, non, vas-y. Oh putain. Ah oui, d'accord, ils veulent m'atomiser. Ils veulent atomiser mon fion. Ça va pas très vite, ce bordel. Ok, les mines antiques à la Jack and Dexter, pas mal. Ça fait penser à du Jack and Dexter, ça. J'aime plutôt bien. J'ai plus de vie, par contre. Ok, on récupère de la vie. Aïe, je sais pas pourquoi on a explosé. Je sais pas du tout où faut aller. Je récupère des cœurs, de la vie. Ça se conduit, mais comme une bite. Non, tout va bien, tout va bien. Faut se slalomer comme si c'était une paire de couilles. Ok. Ok, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien, on a toute notre vie. On a bien fait de prendre un petit sort de soin, ça m'aurait fait chier de tout recommencer. Attention à la plaque. Ça va, ça va. C'est des FX. C'est des effets spéciaux. Oh putain, ok. Ah, c'est bon. Ceinture d'armes, et bah voilà, putain. Stylé. On va faire route vers la gare de Cernoa et on s'arrêtera là. Et le reste de l'aventure, ça sera à vous de le faire, à vous de les découvrir. Et bah très stylé, voilà, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, très cool, très stylé. Mon devoir, on est loin ou pas? Ouais, à mon avis, on est loin. Camp de la haute route, vallée du gardien. Et bah voilà, on s'arrête là. J'espère que cette découverte en trois... C'est joli, hein. En trois épisodes vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Tous les liens sont en description, évidemment, si vous voulez jouer au jeu. Il est disponible aussi sur Apple, enfin, via les trucs Apple, là. Il est disponible partout, dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les bonnes boucheries. Il est disponible partout, ou globalement partout. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Gros bisous à tous, et à bientôt. Bye bye.